Créateur adorable, Père très saint, Alpha et Omega, bon Dieu Abraham, non, bon Dieu Isaac, là, bon Dieu Jacob. Là. Et nous, en présence bénie, en ce sabbat, nous offrir un culte d'adoration. Nous demandons de grâce dans l'amour qui dépasse le profond de l'homme. Prends patience envers nous, utilisez l'amour ça. Et ba nous extension encore, Seigneur, puisque nous tous nous péchés et nous méritons l'amour. Nous m'en autant prie pour patience envers nous, accepter culte d'adoration ça, pardonner péché nous, et bénir nous, et permettre que malgré ça qui a passé autour de nous, l'esprit nous, cœur nous, tous nous mêmes capables bien disposés à offrir un culte qui est agréable à nous-mêmes. Et nous m'en à la fin de ce service, que toutes nous-mêmes, nous capables de sentir nous rapprocher nous plus près de vous. Nous prions comme ça au Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Remercier Sœur Mimose pour ce chant. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce privilège béni. Depuis on monde en vie, je dis. Et dans minute ça, ou ces porte-parole, Seigneur, pas gain plus grand privilège passer ça. Et ça permet de me crier, me dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons commencé par nous excuser et le fait que la lecture pour le message, pour le message aujourd'hui, li changé hier soir, mais nous pas fait ça, nous pas fait des corrections et des grands messages qui préparé, mais Dieu a voulu que le message a changé en l'autre message prêché. Et ce n'est que hier soir que le message là changé, c'est ça fait texte là. Donc nous n'a li n'a permettre que moi li pour nous dans 2 Chroniques 20 le verset 15. Dans 2 Chroniques 20, le verset 15. Et ma père lit pour nous. Nous ne connaissons si seule la vache, si seule Germaine, vous voulez quand même faire lecture. Si vous voulez m'en faire, vraiment, parce que je me dérape, je peux faire lecture par moi. Amen. De Chroniques 20, verset 15. Amen. De Chroniques 20, verset 15, nous lisons, pour la gloire de Dieu. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. 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 Merci, ma sœur. Donc, Dieu vous a envoyé un message ce matin. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ou dans la bataille, mais ce n'est pas vous qui bataille, c'est bon Dieu qui bataille. Rappelez-nous que première guerre mondiale qui passait, commençait en 1918, dérapé pour yon un bagay que yote ka épanye. On moun mouri, on seul moun yon assassiné. Sa cause, deux pays fait compte, plusieurs pays mettaient pied, et te dérapé en Europe. Il tournait yon guerre mondiale côté que plus que 19 millions moun mouri nan guerre ça. Yon moun yo tué, deux pays fait compte, allié mette pied, zamitay, guerre mondiale environ 19 millions. 1918. 1945. Yon pays a pnu kol le Japon. La patake à droite, la patake à gauche, jusqu'à ce que li font mauvais attaque,
li mette on tête chargé le bouleversé monde là en deuxième guerre mondiale pété. Près de 85 millions moun mouri dans deuxième guerre ça. Première guerre mondiale 19 millions deux fois environ population la caille nous population haïtienne. En Irak en 2003. Pas oublié. Vous voulez pour nous pas oublier que c'est yon moun qui t'est mouri qui cause première guerre mondiale. Nous pas veut dire l'en mort yon moun insignifiant, mais l'en mort yon moun son problème qui déca résoudre bien facile. En Irak, les inspecteurs internationaux des États-Unis et de la Grande-Bretagne y a vérifié sous accusation les États-Unis dit que Irak gen zam chimique qui a détruit, qui a tué en pile monde, il y a l'inspecté et rapport a sorti, il a pas joint et il a décidé attaquer Irak et pays ça qui était un bel pays presque pas existé dans minute m'a parlé. Il va chambre tourner sous deux pieds encore, il tourner en rien, crasé, brisé tellement il a lagué bombe sous lui. Pour un bagage que il était suspect qu'elle gagne et finalement yo di la bouche yo y aller yo pas joindre et pas de gagne toutes ces bagailles qui était capable éviter et dans minute n'a parlé là la Russie envahit Ukraine peut-être Ukraine te manifesté intention pour rejoindre l'OTAN qui c'est organisation des traités Atlantique Nord organisation traité Atlantique Nord un pays dans le nord qui met ensemble les yon gros problème pour yon, pour yon tout, yon backup, pour yon répondre. Et en anglais, yon relè le NATO. Yon signé un traité pour ça. Et parce que Ukraine, qui sont pays indépendant, qui était toujours qu'on a un problème à la Russie, a cherché à entrer dans l'OTAN, il n'y a pas qu'on entre, non. Il n'y a pas qu'on entre. Et pour des matchs là, la Russie sent-il menacée et la Russie envahir qui fait que dans minute n'a pas là et on a la guerre. Est-ce que ça a escaladé pour aller plus loin? En pile monde dit il pas pour aller plus loin parce que yo konn la Russie gen zam nucléaire. Et nous connaissons ça zam nucléaire fait déjà suite à deuxième guerre mondiale. Les États-Unis premier monde qui prend bombe nucléaire que yo te rele Little Boy. Yo prend bombe dans ballon non. Et yon ta lage l'an Hiroshima, après Japon te fin fond de respectant, tuye en pile militaire pour lui. Et jusqu'où n'y a, depuis 1945, jusqu'où n'y a moun ki fait dans zone nan handicapé, te nan zone nan pa ka produit en yen. Ça veut dire, nous kon sa sa vle di, lè on moun gen zam nucléaire. Et kou n'y a, c'est pas les États-Unis seulement genyen, la Russie genyen, l'Allemagne genyen, l'Inde genyen, l'Afghanistan gagnent, on paquet pays gagnent au point que tout le monde prêt pour si on a la guerre, yo résigné yo disparaître la tête si on était capable. Nous venons aujourd'hui à que situation pas de jambe c'est différent même dans les temps anciens. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 20 même Jean Josaphat a dirigé peuple Juda li pat nan compte li pat nan école et puis il rete comme ça li yon force multinationale qui débarqué sou li qui envahit. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 20 yo vini former Josaphat yo dit mais une multitude nombreuse s'avance contre toi de l'autre côté de la mer depuis la Syrie. Yo bay kote yo ye, et yo di se les Moabites qui avec les Maonites, les Moabites et les Ammonites. Yo passe pran peuple Seir yo, met ensemble fè yon force pour attaquer Juda. Non pas dit Israël parce que juste on rappelle, pas oublier si nan Josaphat non après Salomon, Salomon te fait des ordres. Israël est divisé en deux, le pays,
te gen 10 tribus qui étaient pour Israël et la tribu de Juda. Et Josaphat t'a dirigé parti Juda. Et une force multinationale ça a débarqué pour attaquer Juda. Ce qui est important, dans 2 Chroniques chapitre 20, texte là commencé, il dit, chapitre 1er a dit, verset 1er a dit, après cela. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Après cela. Ici, dans chapitre là, gayon mot qui kite yon bagay que nous tendez que nous pawe. S'il dit après cela, ça sous-entend que gon bagay qui dépassé avant cela. Parce que pour dire après, gayon bagay qui dépassé avant. Et yon nan bagay que nous allons développer qui dit après, nous déjà dit, yon dit c'est les fils de Moab. Les Maonites qui passaient pour un séir, qui attaquaient Josaphat. Et qui s'était passé avant cela? Avant cela, il y a un pile bagaille nous capable de dire de Josaphat. De Chroniques chapitre 19, à partir du verset 5, il dit que Josaphat a établi des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda. Dans chaque ville, il a installé des juges. Yon nan bagay ki très connu, nous gagnons très dernièrement là depuis Soumateli, vin joine président mouri malheureusement ensemble avec premier ministre qui là, c'est notant de ces juges en Haïti, juge mouri, juge nommé, juge révoqué. Mais Josaphat a fait ça en l'autre gens. Il établit des juges et il dit juge yo nous souhaitons le en Haïti, yon président a ka parler avec ministre justice, là, t'as qu'à parler à système judiciaire en Haïti comme ça. Prenez garde. À ça, nous pourrons le faire, car c'est pas nous pour les hommes que n'a prononcé des jugements, mais n'a prononcé des jugements pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Et nous dit Amen. Donc, Josaphat pas te mettre des juges qui pourra le faire, à faire par le marché. Même Jean Lacaille, nous là, si un juge prend dossier Jovenel là au sérieux, il y a tout yel, ou du moins s'il prend au sérieux, nous par contre qui moun mais gonbaï qui passe, li révoqué, ou du moins se bal pression, l'obligé quitter ça. C'est pas ça Josaphat a fait. Et Josaphat a mis des juges, et il dit au pas oublié, c'est pour l'Éternel nous pas faire jugement, et l'Éternel après de nous l'en a prononcé jugement. Et puis il dit au verset 7, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. La kainou, ou kachita la ou bati yon tikay, bon coup de kop ki bay, bon juge qui prononce son jugement, ou tende kayou la nan chobo. Si nous faisons nouvelle bien, nous en pile diaspora, perdi kayou, et son lot juge. Parce que des ministres qui étaient montés comme son, qui choisit à faire diaspora récupérer Kayo pendant que son juge et pendant que son gouvernement. Mais Josaphat pas danser collé avec Bagay Sayo, il te prêché contre Bagay Sayo. Il dit, nous continuons, le texte là continue pour dire que Josaphat, li bay l'ordre, li parle à Lévite, li parle à sacrificateur. Il dit pour agir avec fidélité et intégrité de cœur. Mot ça yo semblé avec mot que Ézéchias te conservé. Nous songez les Ézéchias pral mouri. L'Éternel voulait dire Ézéchias, fais paquet tout, fais testament pral mouri. Et Ézéchias dit l'Éternel, songez que marcher devant avec fidélité et intégrité de cœur. Mot ça yo fort et Josaphat a utilisé ces mêmes mots, ces mêmes expressions pour passer peuple là en revue, pour passer dirigeant yo l'ordre qui Jean pour gérer pays. Il dit lire les sacrificateurs, lire les lévites, il dit fortifiez-vous et agissez
et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Imaginez tout bagay sa yo que Josaphat fait, et c'est ça que fait texte la commencé li dit après cela. Donc, avant l'entrée dans pile problème lié yo, avant cela, Josaphat gon paquet bagay li fait. Yo di, Josaphat, si nous tournons juste dans le chapitre 17, de Chronique 17, yo di, le Josaphat monte sous pouvoir. Yo di, l'Éternel était avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père. Il ne rechercha point les Baal. En pile roi, le yo monte en Israël, en Juda, c'est faux Dieu, y'a l'adoré. Et parce que monsieur a choisi de marcher avec bon Dieu, l'Éternel qui créa les cieux et la terre, et bon Dieu béni. Il mettait l'ordre dans l'administration. Il enseignait dans Juda, livre de la loi, un roi qui entrait dans l'évangélisation. Il parcourut 2 Chroniques, chapitre 17, verset 9. Il dit, verset 10, 9 et 10, il parcourut toutes les villes de Juda et il enseignait parmi le peuple. Mais ça, Josaphat, t'es commencé à faire, t'es fait dans Juda. Et c'est ça que mène nous dans 2 Chroniques, chapitre 20, qui dit après cela. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chaque fois où sous ligne de prière, on prêche, chaque fois où on chante, chaque fois où on fait travail, chaque fois où on programme 777, chaque fois où on jeûne, chaque fois où on croisade, chaque fois où on mission en Haïti, chaque fois où on travaille pour le Seigneur, tout ça a contribué avant cela, mais nous venons du matin, le Seigneur dit, après cela, parce que l'on prend position pour l'Éternel, au lieu de comprendre, nous allons à l'aise, ou béni, ou douce, yes, ou béni, mais l'ennemi de nos âmes a attaqué quand même. Ce n'est pas peur, nous venons faire peur. Mais nous venons d'où c'est sale toujours yé, c'est sale yé et c'est sale toujours yé. De pouvoir travailler pour l'Éternel. De pouvoir que t'en prends rendez-vous pour aller prêcher. Pour que t'en prends main ou pour aller faire un bagage sérieux pour l'Éternel, l'ennemi en guettant a préparé attaque contre vous. Et c'est ça que fait après cela. Ou imaginons qui fait tout bagage ça. Bon Dieu bénin, je suis dans un royaume ni pour ta vivre à l'aise. Et c'est là sa tension montée parce que on peut nombreux paraître. Et l'air dit dans sa frayeur, c'est pour montrer en tant que humain, même soit bon Dieu, il y a des forces qui débarquent sur vous qui sont capables. Mais gloire à Dieu, la Bible nous dit dans sa frayeur, de Chronique 20, verset 3, Josaphat publié yon jeûne pour tout Juda. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et nous commençons à rappeler, l'air en situation qu'on s'est présenté, même sous les armes nucléaires, même sous les bombes, même sous les armées, imaginez, la Russie, préparez-le, pas dit la bombe à l'Ukraine, non, tout le monde dit, eh, ça va passer là, il commence à mettre tous les armes devant l'Ukraine. Imaginez si le président ukrainien te connaît l'Éternel, et puis c'était choisi, il te choisi, prier, il te demande, l'Éternel demande tout le peuple en nous font jeune, qui ça que t'as passé, je dis, ah, parce que l'Éternel pas jamais changé. La Bible nous dit, Josaphat a publié, yon jeune pour tout Juda. A remarqué, en d'un jeune nan, ou a participé. Et au verset 6, il commence à prier. Il commence par là, bon Dieu. Il dit, bon Dieu, c'est pas au créer ciel la terre. C'est pas au dominer sous toute nation. Il connaît ça. Nous connaît, bon Dieu, c'est créateur. Mais des fois, nous avons posé nos questions. Nous avons posé, bon Dieu, questions. C'est lui qui dit, venez, plaidons. Il n'était pas où qui baille la force, la puissance. C'est pas où qui a force, qui a puissance que personne pas qu'à résister. Et peuple ça qui vient attaquer là, il peut te plaindre. C'est pour te chasser moun sa yo. Qui va nous côté n'a vivre là pour nous rester. Si on t'attaque aux États-Unis, ou dit bon Dieu, c'est pas où que t'es fait nous vivre dans le pays boy ici, c'est nous qui t'es venu à force nous. C'est pas où que t'es choisi nous vivre boy ici. C'est pas où que mettez nous sous ligne de prière là.
C'est pas pour faire nous adventistes du deuxième jour aujourd'hui. Ce n'est pas pour mettre nous à prêcher pour vous. La situation est arrivée, chers amis. Nous avons besoin de changer forme prière. Pour nous dire l'Éternel, yes, nous commandons les pitié de nous, mais pour nous parler avec les cafés, Josaphat. Et Josaphat utilisait le terme au verset 9. Elle prend l'Éternel au mot. Il dit l'Éternel, s'il nous survient quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Nous comprenons que Josaphat est venu prier ça. Et bien, parole ça, c'est parole. Oui, avant Josaphat, les Salomon te wa, Salomon te bâti temple pour l'Éternel là, et les lapignons qui le temple là, lui répétait exactement mot ça. Salomon font prière, il dit, s'il nous souvient quelques calamités. Même ça, Josaphat a répété dans 2 Chroniques 19, verset 9 là. L'épée, le jugement, la peste ou la famine n'a présenté dans maison ça et devant vous, parce que non dans maison ça n'a crié à vous-même et dans mitan détresse nous ou avec exaucer nous ou a sauver. Ou a joué un texte ça dans 1 roi 8 verset 37 à 39 et Salomon t'a prononcé. Mais ce qui est intéressant, Salomon t'a prononcé prière ça en faveur moun kap gen pou vini après. Et l'Éternel te bal réponse direct. Donc prière ça vient en promesse pour tout moun ki après. Dans 1 roi chapitre 9 verset 3, l'Éternel dit Salomon, moi entendé prière là et m'exaucer prière. Avec tout ce que demandé là, oui, m'a fait. Si on moun sorti bien loin, si yo vin attaquer peuple là, si attaquer pays là, si gen calamité, si gen famine, si gen la peste, nous présenter devant, yo mande m pou pote au secours, m'a exaucé, m'a sauvé. Des fois chers amis, n'oubliez les promesses de Dieu pour nous remettre yo bay bon Dieu. Je dis à la jeunesse a bay problème, les petites nous a bay problème, les familles nous a bay problème, c'est pour nous dire l'Éternel, songez ou te dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, demain il ne s'en détournera pas. Et kembe la foi, parce que c'est l'Éternel qui te dit, demain il ne va pas détourner. Donc si kounya la ti moun yo kouri, l'Éternel joue pour et nous dit amen. Et c'est ça Josaphat fait. Josaphat prend l'Éternel au mot. Lors travail pour mon Dieu, les avant cela correct avec l'Éternel. Donc après cela, même l'elle parle avec difficulté, c'est pour le côté d'elle, pour dire l'Éternel, joue pour. Et troisième partie de la prière, il peut des plaintes directes, il dit, voici, les fils de Moab et ceux de la montagne de Seir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car ils étaient détournés. Il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. C'est où que tu as dit, moun sa yo pas détruit. Et kounya là, mais c'est yop tourné, grand merci chien et coup de bâton, qui vini. Et texte là dit le même au verset 11 de Chronique 20, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Au moins, mais verset 12. Oh Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Chers amis, les ennemis ont mordé, les ennemis ont tiré, les ennemis ont arraché petit tout, les ennemis ont coupé route, les ennemis ont coupé matissant, les coupé quoi des bouquets, les pas l'eau passé. Cette histoire nous prier, n'a dit l'Éternel veut vous convertir, c'est jouette. C'est pour dire l'Éternel, si l'Éternel veut vous convertir, amen, gloire à Dieu, mais c'est pour nous gagner courage pour l'Éternel, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux? L'Éternel qui grand monde, s'il a sauvé, l'a sauvé. Parce que des fois, en nous prions, on a une hypocrisie. N'a dit, bon Dieu, changez le cœur, faites-le repentir. Mais ce n'est pas ça nous avons besoin. Content de la police, tirez nous sommes contents. Moi-même, la donne. Et puis, de la police, prenez toi. Et puis, si la police patrouille, je demande pour ça la police à faire. La police a joué. Et puis, nous prions, on m'a dit, changez le cœur.
Donc, il y a un double message qui va droit. Les gens qui ont un bus qui a passé, le bus a plein d'innocents, pas fait personne en rien. Et puis, il y a des vies des âmes tirées. Les gens qui ont marché, ramassé, les gens kidnappés, ils ont pris comme la première fois, ils ont pris la deuxième fois, ils ont tout yé encore la gueule sous Fadra. C'est pour nous camper, pour nous dire quoi, pour nous dire l'éternel, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Pas bérer prière, n'a dit l'éternel, sauver yo, changer cœur yo. C'est pas ça nous avons besoin, dis ça nous avons besoin. Je vous en fais pas dit changer cœur, ennemi au cap venir. Si l'éternel n'a exercé jugement, ni grand monde, s'il décide de prendre un pour faire convertir, gloire à Dieu. A de oué. Non seulement il y a tout le monde, pendant il y a tout le monde, il dit c'est déjà. Pendant il y a tout le monde, ouais, mon choix ou jeu, il y a fait dans tout ça qui passe. Il y a déjà dans ça qui passe et il ignore mon Dieu net. Donc il n'a pas la mon Dieu pour nous dire mon Dieu n'existeras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Qui moun qui a force face à ça qui a passé en Haïti? Qui force Ukraine gagne face à la Russie qui sont super puissance. Vous voyez ça le fait? Il n'est que pas être en l'air, il crase ti force Ukraine de gagner. Il crase la mer, il prend les portes, il occupe les portes là, il crase base militaire, gonti centrale nucléaire qu'on est ça qui a fait gros explosion, il n'est que descendre occuper centrale là. Et puis soudain déjà, il craint sans dents, sans défense et puis il entre sous terrain. Dernièrement hier, nous entendons le président ukrainien qui a fait un discours. Qui a essayé pour le diable de temps en temps prendre la parole pour encourager le peuple ukrainien. Et monsieur a plaigné, monsieur a dit, nous pour contre nous, dans la bataille là. Mais quelques semaines de cela, les États-Unis ont dit l'Ukraine, nous avons, la France dit l'Ukraine, nous avons, nous ne pouvons pas permettre que la Russie vienne faire des autres ça. L'Angleterre dit Ukraine, nous avons. L'Allemagne dit Ukraine, nous avons. Et les bons coups de mentir, ils ont dit comme ça que nous prenons des sanctions. Et le président ukrainien, quand il dit, nous pour contre nous, mais malheureusement, nous par contre, si c'est peut-être avant cela, pas correct. Mais là, non, après cela, le président ukrainien dit, nous pour contre nous. Mais si avant cela, c'est correct, si tu es en relation à mon Dieu, il t'a dit, tout le monde l'a gagné nous. Mais, nous gagnons l'éternel. Et monsieur, à tout gros âme, ça y a aucun bagage parce que bon Dieu, pas changé. Bon Dieu, pas changé. Mais malheureusement, il dit pour contre lui. Et non pour contre lui, nous pas attendons non bon Dieu. Nous pas attendons ni mander peuple à nous gêner, à nous prier. Mais nous attendons dit peuple là, aucun jeune garçon pas sorti. Et pour qu'un 18 ans, pour y 60 ans, pas sorti, en nous crampé nos batailles. Ça le connaît, c'est ça le dit. Mais nous autres, chers amis, bon Dieu, vous avez un message ça pour nous, puisque nous connaissons avant cela, nous n'avons pas avant cela, nous avons travaillé pour l'éternel. Ça veut dire, après cela, nous n'avons la guerre. Nous n'avons la guerre quand même. Nous n'avons pas la guerre aujourd'hui, nous n'avons pas la guerre demain, nous n'avons la guerre quand même. La guerre n'a pas affecté nous ici aux États-Unis, nous n'avons la guerre quand même. Que la guerre vienne individuelle, que la guerre vienne dans la famille, que la guerre vienne dans nos amis, que la guerre vienne dans le travail, nous avons la guerre quand même. La Bible continue pour dire tout Judas se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs filles, femmes et leurs fils. Mais gon bagay, nous voulons vous kembe jodi. Premier bagay, nous kembe avant cela, nous kon kote nou ye. Et nous comptons ça capter nous après cela. Deuxième bagay nous kembe, là avant cela nous correct et après cela ennemi attaque nous publions jeûne. Et troisième bagay n'a kembe, puisque nous dans jeûne n'a la prière nous porter plainte au l'Éternel, dit l'Éternel exactement ça nous gain besoin. Mais en dedans ça nous gain besoin. Bon dernier mot. Joseph a dit, c'est libre, mais. Et s'oublier tout bagay dans le message aujourd'hui. N'a demandé, kembe, ti phrase ça en dans texte. De Chronique 20, verset 12. Delphine dit, Éternel, notre Dieu, est-ce qu'on peut exercer jugement sur yo? Parce que nous sans force,
devant pile ennemi ça y paraît envahi nous. Il dit et nous pas contre ça pour nous faire. Et c'est ça président ukrainien te dit oui. Tout monde la guerre nous pas gain force. D'ailleurs force aérienne qui t'écraser toute base nous. Nous pas gain gros âme qui est encore. Nous pas gain force. Mais Josaphat dit mais nos yeux sont sur toi et dit béni soit l'Éternel. Chers amis, chers frères et sœurs, les situations escaladées, les rivées, dans côté ou pas ouais espoir encore. Les toutes sortes comprendre tapé d'eau la gueu. Leur comprendre zami tapé d'eau zami la gueu. Leur comprendre si madame est d'eau gloire à Dieu, si Marie est d'eau gloire à Dieu, si frère est d'eau gloire à Dieu. Mais la Bible dit bon côté ou privé dans bataille là. Wop, zantra ou petit ou kalago. Et si yon la gueu, ou konne pou kebe pi l'Éternel, et yon nan mo pou kebe jodia pou di Éternel, nos yeux sont sur toi. Quelle déclaration de foi Josaphat mette, il dit l'Éternel, nous par contre ça pour nous faire. On peut y super puissance attaque nous. Tout bagay escalade, famille a déchiré, maladie a pote nous aller. Nous pas qu'à passer matissant, nous pas qu'à vivre quoi des bouquets, y a kidnappé moun. Mais l'Éternel, nos yeux sont sur toi. Et nous dit béni soit l'Éternel. Et c'est prier ça qui fait que l'Éternel pour ton réponse par Josaphat. Une sorte lit deuxième texte là, 2 Chroniques 20, verset 15. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Nous chantons ça tout le temps. Bataille, c'est pour l'Éternel. Pour qui ça? N'a pas fatigué comme nous. Et puis nous connaissons, nous avons assurance que bataille, c'est pour l'Éternel. Nous avons troublé parce que nous sommes humains. Nous avons souqué, nous avons une quantité de monde qui vient. Lorsque nous avons aussi campé devant l'Ukraine, c'est un coup de dit. Le monde qui campait devant qui était à pile gros âmes, ça a une super puissance. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont super puissance qui fait pas le camp en face li. Vous avez tout le monde dit à bas sanction. Il pas dit Irak à bas sanction. Il pas prendre trois jours qui enveloppe Irak, broup, Irak fini. Mais là aussi, tout groupe monde dit n'a bas sanction. Nos yeux sont sur toi. Et l'autre bagaille nous voulons kembe, je dis à, l'autre fin connaît, fin pote plainte by l'Éternel. L'autre fin dit l'Éternel, zio sous lit. Texte la continue pour dire au verset 22. Le fait que yon gen assurance que l'Éternel avait. Et Josaphat prend l'Éternel au mot. Mais son te dit si gen calamité, si gen jugement, si gen détresse, si gen guerre, si yon vin attaquer nous, ou pas avec nous. Il dit l'Éternel, Dieu nous sous où? Il dit l'Éternel, est-ce qu'on peut exercer jugement contre eux? L'Éternel, bat réponse. Et Josaphat dit, ah, bataille gagnée. Nous pas perdre du temps à nous décréter l'orange. Les amis, il y a des problèmes ou gagnés, l'offre de la guerre, bah, bon Dieu. Pas plein à parler, tant qu'on problème, non, ou on j'en pas qu'on est-ce que bon Dieu a résoudre, est-ce qu'il pas résoudre. Il y a des problèmes, l'offre de la guerre, bah, bon Dieu, c'est réponse, on est capitaine. Et la Bible dit au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus, béni soit l'Éternel. Consacre la Bible là, texte l'a expliqué Biba au verset 23. Ils mettent ensemble, ils vivent une bataille, ils arrivent tout près Juda pour une bataille et puis l'Éternel bail signal pour le bail là. Et puis, ils ont commencé à battre entre eux, ils ont commencé à déchirer l'autre. Oh, on ne peut pas attendre pour me tendre en l'air, dans le temps de gang. L'Éternel nous dit, l'Éternel, n'exerceras-tu pas tes jugements contre ces gangs en Haïti? Et puis, pour me tendre, ils ont commencé à tirer une sous l'autre. Et puis, pour détruire une autre, pour nous capables de venir la paix, nous, puisque la police corrompue, gouvernement corrompu, premier ministre corrompu, personne ne va sortir pour mettre la paix vraie, mais seul monde qui va nous la paix, seul monde qui va nous côté pour nous passer, c'est l'Éternel. Et si nous adressons nos prières sincères, si avant cela nous correct, nous demandons pour l'exercer jugement, ça le fait pour moi, pour Juda, ça le fait pour Josaphat, qu'a fait pour nous aujourd'hui. Ça le fait dans le passé, qu'a fait pour l'Ukraine aujourd'hui. Mais l'Éternel a besoin que nous adressions the right way. Oh, chers amis, la Bible dit, n'est-ce pas,
jeté une sous l'autre. Yo détruit une autre. Et ça Josaphat te comprendre qui t'a pour bataille là. Il tourne yon fête puisque l'Éternel te bal qui Jean pour le présenter. Et l'a présenté ses cadavres li joine et l'a ramassé munitions. L'a ramassé bien que nèg sa te gen sou yo et pour te victoire. Et nous déjà qu'on reste là, on est tant que Josaphat qui chante louange avant même guerre a commencé. Nous déjà connaît qui quatre louange la Bible dit que monsieur décrété à Jérusalem les batailles ça te fin gagné. Chers amis, chers frères et sœurs, amis visiteurs. Je dis à nous n'en avant cela. Nous qu'a dit nous pas qu'on après cela. Nous pas pour attaquer jamais. En pile dans nous quelques petits attaques. Mais bagala gain pour pire depuis devant. Et le bagala gain pour pire depuis devant. Et nous vinn toujours dire la guerre pas yon bagay neuf. Nous t'es toujours dans la guerre depuis longtemps. T'es toujours gen la guerre depuis n'ap sorti, depuis avant l'Égypte. T'es gen la guerre depuis le peuple Israël sont en Égypte. T'es gen la guerre depuis le temps des rois. T'es gen la guerre tout nan temps Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, t'es gen la guerre. Nous-mêmes, nous jouons première guerre mondiale. Nous jouons deuxième guerre mondiale. Entre guerre mondiale, nous jouons guerre des religions. T'es toujours gen la guerre. T'es gen la guerre même dans le ciel. La Bible dit t'es gen guerre. Il y a eu guerre dans le ciel. Et les anges combattirent. Et ça fait un tiers d'anges tomber, descendre en bas. T'es gen guerre dans le ciel. Et n'a fini pour nous dire. N'a fini. Tragédie nous soutient ça par une guerre. Alors la Bible nous dit, le livre de l'Apocalypse nous explique que nous devons monter. Les Jésus viennent chercher nous. Nous comprenons nous bon, nous sauver, nous monter, nous passons temps avec l'Éternel. Nous passons temps avec Jésus. Pendant ce temps, la terre est restaurée, ça nous les millions d'hommes. Les nappes descendent, ils dit que malveillance de après le fond faisceau, ça nous les Armageddon pour une bataille contre nous. Guerre encore. Mais bonne nouvelle là, l'Éternel dit qu'on dit, fait qu'on saute dans le ciel là, et qu'on saute autour, et laisse à la guerre finir pour le temps et pour l'éternité, me dit béni soit l'Éternel. Chers amis, chers frères et sœurs, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Restez avec parole ça sous cœur nous. Restez avec mot ça allait nous faiblir. Les nous aimons là pour nous éternel, nous par contre ça pour nous faire. N'attendons jugement sur vous, mais nos yeux sont sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Seigneur et notre Dieu, Créateur adorable, nous voulons dire merci pour un moment si agréable que nous avons passé à l'ombre de tes ailes, pour le message de ta parole. Nous avons demandé pour permettre qu'il soit capable de tomber dans la bonne terre et pour tes fruits pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, en tant qu'humain, nous avons dit toutes qualités belles paroles, nous avons lu toutes promesses, mais les nous en face difficulté, chair la faible, la peur envahit. Seigneur, du temps de Jésus, c'était coq qui t'a chanté, qui t'a rappelé Pierre. Mais dans qui saleté? Et nous demandons une faveur aujourd'hui pour nous et pour le peuple qui attend dans la minute. Ça. Avant même nous prendre la parole qui est parole faiblesse pour nous nier. Avant même pour nous prendre la parole pour nous demander pardon, pour nous capables pas entrer dans le bûcher si nous allons bouler nous. Avant même que nous prenions la parole pour nous oublier, pour nous donner des faveurs dans l'autre monde, nous demandons capable de faire quoi ça chanter dans l'esprit nous. Et ranimer l'esprit nous. Fait nous songer que nous dit nous, pape, jamais laguer nous, pape, jamais abandonner nous. Et nous-mêmes, pour nous capables de songer, pour nous répondre, pour nous dire, nos yeux sont sur toi. Fait nous grâce à faveur ça. Ba nous grâce à faveur ça. Et permettre que dans l'esprit nous, ça toujours abjamé. Les nous en face difficulté, les la peuvent les frapper n'importe nous. Mais pour un paix, capable de venir remplacer cette peur. Et la frayeur sortie pour envahir nous, mais pour la foi prend place et pour foi nous grandit, pour nous chanter louange pour vous, dans quelle que soit difficulté que nous taille. Gardez-nous dans la paix ou dans la grâce. Bénis les journées pour nous. Bénis chaque famille nous. Bénis nous chaque. Bénis pasteur l'église nous côté à toute famille nous. Nous prions comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit
reste et demeure sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen.